Et bonjour à tous, je suis Siramor et voilà, je voulais partager un petit truc avec vous. Aujourd'hui, j'ai reçu des tonnes de boosters Harry Potter. J'en ai reçu 50, très exactement. Et parmi ces boosters, on a des poids très variables. J'aime bien les peser, ces boosters Harry Potter, pour ouvrir un maximum de boosters lourds. Mais là, je me retrouve dans une impasse. Je sais que les légers se trouvent entre 21,40 et 21,50 sur une partie du lot. Mais j'ai des boosters qui sont probablement issus d'autres displays où les poids normaux sont situés à 21,20 et j'ai quelques boosters juste en dessous, à 21,36, 21,37 et là, ici, on a la même chose, 21,37, 21,38, ce qui est assez hallucinant parce que ça semble être les lourds d'une partie du lot des plus légers et j'ai des boosters comme ici qui sont hyper lourds, 21,84 ou 21, 83, 84, voilà, les deux font le même poids, mais c'est extrêmement lourd. Et à l'inverse, j'ai deux boosters qui font à peine 21 grammes. Vous imaginez 0,8 d'écart entre les boosters, ça paraît complètement fou. Alors que c'est des boosters qui ont été conservés de la même façon, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Mais l'écart de poids est complètement maboule entre ces boosters. Donc j'ai isolé un lot de 6 boosters que je vais ouvrir pour en avoir le cœur net. On va commencer par un des boosters hyper léger. Je veux juste voir en fait si la quantité de cartes... Ouais, c'est celui-là. Si la quantité de cartes à l'intérieur correspond bien à ce que j'attends. Parce que ce sont des boosters de 11 cartes. Et là, franchement, je ne serais pas surpris qu'il en manque une. Vu la différence de poids entre les lourds et les légers, je ne serais vraiment pas surpris qu'il manque une carte. Bien qu'une carte normalement pèse 2 grammes, mais on va vérifier ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on a bien 11 cartes. Mais le poids est trop léger pour que ce soit normal. Donc nous avons la tarentule géante, mes aventures magiques, plume d'oie pour gribouillis, rat apprivoisé, carte curative contre les furoncles, l'époximisation, énigme logique, à l'insu de rogue, potion, métamorphose, et en fonction de ce qu'on va trouver derrière, soit on va ouvrir l'autre booster hyper léger ou pas, et on a une carte rare standard, Incendio. Donc c'est bien un booster normal, il est juste hyper léger, c'est hallucinant. Du coup, je sais pas à quoi m'attendre là-dedans, je vais pas ouvrir du coup le deuxième booster qui faisait le même poids, parce qu'on sait que dedans, il n'y a rien. Alors je reprends juste mes poids, parce que les deux hyper lourds, il y a quand même très très peu de chances qu'on ait rien là-dedans. Mais les 21,30 et quelques là, ouais, c'est ceux-là. Je veux en avoir le cœur net. Hein. Et pour savoir quel booster je mets dans la catégorie des lourds et quel booster je mets dans la catégorie des légers, je suis obligé de passer par là. Là, on n'a pas besoin de compter les cartes, on sait qu'on a le bon nombre. Serre d'acier, très jolie carte. Chien hargneux, troll de la forêt, aile d'hôpital, croqueur d'orteil, farfadé, for private drive, les enchantements, les potions, et Zuzbens, c'est du lourd ou du léger? C'est du léger, la chasse à Harry que nous avons eu une tonne de fois la dernière fois, donc c'est pareil, ici l'autre booster qui est là, hop, on le range avec les légers. Et maintenant nos deux hyper lourds, qu'on ait quand même quelque chose à se mettre sous la dent ici, je pense que ceux-là, il n'y a pas de débat, c'est les plus lourds de tout le paquet. Il ne peut pas y avoir autre chose qu'une carte brillante là-dedans. Je vois pas comment c'est possible. Croqueur d'orteil, avifor, potion d'oubli, touffu s'endort, axio, illegibilus, chien de garde, fumos, enchantement, potion et... Et un petit personnage qui on va avoir... Ron Weasley, ça fait toujours plaisir un petit Ron, c'est top. Impeccable. C'est toujours des très jolies cartes, les cartes personnages sur Harry Potter. On les adore et voilà un petit Ron qui vient se montrer, c'est parfait. C'est quoi comme slip ça? Est-ce qu'on est à la bonne taille? Non, je vais la poser délicatement sur le côté. Et je la reprendrai plus tard pour la mettre dans une sleeve adéquate. On va s'ouvrir le deuxième booster, censé être très lourd, dans lequel on devrait également trouver une carte brillante. Soit holographique comme le Ron, soit foil, si ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas comment trier mes boosters. Je ne sais pas où sont les lourds.
et ça va être un petit peu compliqué ça. Bombabouze, croqueur d'orteil, plume d'oie pour Gribouilly, un carcifort, farfadé, 4 private drive, enchantement, potion. Et on a la cape d'invisibilité derrière, a priori. La voici, qu'elle est jolie, cette carte. Donc, on était bien sur une carte foil, pas de débat, un booster hyper lourd. Les deux avaient... Pourquoi je vais reprendre une sleeve? C'est pas les bonnes. Arrête. C'était quasiment les mêmes poids. Donc, on est un petit peu embêté là. Parce qu'on a des poids qui sont complètement bizarres sur ces lots. Et j'ai tout un lot de boosters qui est censé être léger, avec des poids à 21,48, 21,46, tout ce qui est entre 21,40 et 21,50. Et ça, je vois pas comment ça peut être lourd. 21,51, on va le tenter pour voir. Mais peut-être qu'en fait, j'ai beaucoup de lourd et que tous les 21,47, 48 et les 21,50 à peine, là, c'est du lourd. Donc, on va vérifier. On sait lesquels sont légers maintenant, c'est déjà pas mal, mais pour en être certain, il faut essayer. Erreur sur la potion, boa constricteur, chaudron en passoire, poison, pernicieux, le poisson, n'importe quoi, fumos, vivarium, métamorphose, enchantement. Et non, derrière, c'est bien une carte rare normale, c'est le corbeau en secrétaire. Alors là, je vais me retrouver bien, bien embêté avec ce lot de boosters. Je vais en reprendre un dans ma pile de lourds pour être certain de ce que je fais. Mais pour l'instant, on a ouvert plus de légers que de lourds. Donc je pense que le plus simple avec ce lot de boosters va être d'isoler très largement les boosters et de faire comme les dernières fois, des ouvertures qui contiennent et des lourds et des légers. Ce sera beaucoup plus facile. Je sais en isoler certains qui sont très certainement légers. Sans certitude. Mais parmi les lourds, là, je suis un petit peu perdu. On va voir, celui-ci devrait être lourd d'après les poids que j'ai pu observer. En tout cas, il était classé parmi les boosters sans ses lettres. Mais si c'est pas le cas, ça va être un peu compliqué. Oui, c'est bien lourd. Nous avons Évasion du dragon en foil. Donc nous sommes bien sur un lot de boosters lourds. Ceux que nous avons réussi à identifier. Et voilà ce que j'ai réussi à identifier en lourd. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14 boosters sur un lot de 50. Il y en a forcément d'autres qui sont cachés. Donc, je vais refaire un petit peu mon tri pour conserver les boosters qu'on va s'ouvrir ici. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.